Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux donc de vous accueillir aujourd'hui donc à ce webinaire organisé donc par Elisfer autour de la fraude au virement et des moyens donc pour s'en prémunir efficacement. Bonjour à tous. Alors, juste avant de démarrer ce webinaire, on va faire quelques petits rappels d'usage. Géraud, du coup, tu peux avancer donc la présentation. Simplement, nous vous remercions par avance de maintenir donc vos micros coupés, normalement ils le sont, donc et cela pour éviter donc toute interférence. Par ailleurs, n'hésitez surtout pas donc à poser vos questions tout au long du webinaire, donc via la fenêtre donc de chat située donc en bas à droite de votre écran, et donc nous y répondrons en fin de session. Par ailleurs, donc en début de ce webinaire, nous vous adresserons donc un sondage avec trois questions. Donc, vous pourrez donc interagir donc avec la fenêtre sondage. Donc voilà, nous vous remercions par avance donc d'y participer. Et enfin, votre intervenant aujourd'hui, donc ce webinaire sera donc animé par Géraud Zeller, qui est donc responsable marketing stratégique et partenariat au sein de la business line Risk Management. Bonjour. Bonjour. Ravi d'être là pour vous présenter ce beau sujet qui est la fraude. Je vais attendre quelques moments supplémentaires pour laisser tout le monde arriver. Et puis ensuite, nous allons démarrer. Alors, le sujet de la fraude, je démarre avec un exemple pour bien montrer ce dont nous allons parler précisément, c'est-à-dire la fraude à l'IBAN. Il y a eu une entreprise, donc parmi d'autres, hein, c'est Frissim, qui s'est fait frauder avec ce qu'on appelle la fraude au président. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que le comptable de la société a effectué une quarantaine de virements pour un montant global de 38 millions d'euros à quelqu'un qu'il pensait être le PDG de l'entreprise par rapport à un rachat de société. Sauf que ce n'était pas le président de l'entreprise qui avait usurpé l'identité du vrai président. C'est facile aujourd'hui avec les moyens technologiques qu'on a de pouvoir réimiter la voix, passer par le véritable mail en réutilisant exactement la manière de parler, de formuler, de s'exprimer des personnes. Et donc, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'on appelle une fraude au président, avec finalement des virements qui ont été faits à la mauvaise personne. Donc, ça va être le sujet du jour. C'est une fraude au président, il y a des fraudes aux faux clients, des fraudes aux faux fournisseurs. À chaque fois, il y a des virements effectués à cause d'une usurpation d'identité. Et donc, c'est le sujet du jour. Nous allons voir comment... Enfin, quels sont des exemples de fraude. Nous allons comprendre un petit peu quelles sont les entreprises impactées, quelles sont les problématiques, et puis derrière, comment est-ce qu'on peut s'en prémunir. Avant de démarrer, on va faire un sondage. Virginie va vous envoyer trois questions à l'instant. La première, c'est effectivement si votre entreprise a subi une tentative de fraude en 2023. La deuxième, si effectivement vous êtes déjà équipé pour réaliser le contrôle des IBAN de vos tiers, ou si vous ne les effectuez pas du tout, alors si c'est une équipe qui le réalise avec des contre-appels de manière manuelle. Et la troisième question, si votre entreprise a un projet de lutte contre la fraude en 2024. Donc, Virginie, si tu veux bien lancer la première question, ça permettra de bien comprendre comment vous vous situez par rapport au marché. On va revoir ces chiffres-là dans les prochains slides.
et ça permettra de vous situer. Nous allons voir notamment que on est quasiment tous, on subit quasiment tous des tentatives et qu'il est essentiel évidemment de s'équiper et de s'équiper pour automatiser, non seulement pour des questions d'efficacité, mais avant tout pour des questions de fiabilité. Alors, est-ce que vous recevez les questions du sondage? Normalement, là, on est à plus d'une centaine de votes. Donc, oui, effectivement, donc, tout le monde est en train de remplir et de répondre au sondage. Merci, Virginie. Donc là, la réponse là, en majorité à ce moment-là, donc, c'est effectivement, vous êtes donc une grande majorité à avoir déjà subi plusieurs tentatives de fraude. En 2023. Effectivement, on est à peu près 30% d'entre vous qui ont subi plusieurs tentatives, 30% d'entre vous qui ont subi, qui répondent oui, donc qui ont subi une tentative. Ça fait 60% déjà qui ont subi des tentatives, 20% qui ne savent pas. Donc, ça montre l'importance, en fait, du sujet pour les entreprises, parce qu'on est tous concernés quasiment maintenant. Et pour ceux qui ne sont pas encore concernés, ce n'est qu'une question de temps. Donc on voit bien l'impact que ça peut avoir. La prochaine question que va vous soumettre Virginie, c'est comment est-ce que vous procédez au contrôle des coordonnées bancaires donc de vos tiers? Je laisse Virginie envoyer la question. Ça va être intéressant également de voir dans quelle mesure est-ce que vous êtes équipé, de voir si effectivement il y a un alignement entre les personnes qui ont subi une fraude et les personnes qui s'équipent. Est-ce qu'il faut avoir subi une fraude effectivement pour se prendre conscience du risque réel qui existe? Parce qu'il y a une vraie dichotomie, une vraie asymétrie entre les moyens finalement des fraudeurs et les moyens mis en place aujourd'hui pour lutter contre ces fraudeurs. Donc c'était... Ça, on va le voir ça aussi dans la présentation. C'est le grand sujet. Voilà, donc la question vient de vous être adressée. Merci par avance de bien répondre dans l'onglet sondage, hein, et pas dans l'onglet questions, ce qui nous permettra donc d'avoir une visibilité sur vos réponses. Nous allons laisser quelques secondes supplémentaires avant de passer à la troisième question. Pour l'instant, vous êtes 62, 60% environ à réaliser des vérifications manuelles.
20% à réaliser des vérifications automatisées, 16% à ne pas avoir de processus de vérification et 4% à externaliser. Donc voilà, c'est important. C'est important, ça va vous permettre de vous positionner. Et on va parler notamment des moyens des fraudeurs et de différents fraudes qui existent. Donc, qui a montré l'importance d'automatiser, l'importance de s'équiper. Je pense qu'on peut passer à la troisième question. Donc, est-ce que votre entreprise a un projet de lutte contre la fraude en 2024? Merci Virginie, la question vient de partir, vous devriez la voir. Ouais, normalement, vous visualisez bien normalement la question dans l'angle des sondages. Alors, vous êtes à peu près 45% à avoir effectivement un projet de lutte contre la fraude dans l'entreprise. À 20%, vous dites non. Les autres personnes ne savent pas. Alors, c'est pas étonnant que tout le monde ne sache pas, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui peut être pris par de multiples équipes. On va le voir également. Ça peut être du côté finance, ça peut être du côté de la gestion des risques, ça peut être aussi du côté achat, voilà, contrôle interne. En tout cas, c'est intéressant de voir, c'est en ligne avec ce que montrent les études, que la plupart des entreprises commencent à s'équiper. Et donc, il y a quand même un certain nombre de fraudes qui ont fonctionné, qui ont abouti et qui amènent à mettre en place un certain nombre d'actions. Alors, nous allons poursuivre. Tout d'abord, pourquoi est-ce que chez Elisphère, on s'intéresse particulièrement à la fraude? Et la mission d'Elisphère, c'est d'accompagner les entreprises pour avoir une croissance durable, dérisquée, avec des informations décisionnelles qui vous permettent d'avancer le mieux possible. Comment? Au moment d'entrer en relation, mais aussi dans le développement de la relation. Donc, ça veut dire qu'on va travailler au niveau de la data marketing pour cibler, acquérir des nouveaux clients, les fidéliser. Au niveau de la gestion des risques, côté client, côté fournisseur. Au niveau de la conformité également, notamment pour tout ce qui est blanchiment d'argent et lutte contre la corruption. Dans ces modèles, on voit que, notamment au niveau de la gestion des risques, la fraude est au cœur du sujet. C'est-à-dire que faire en sorte de s'informer sur les partenaires pour avoir pour fiabiliser la relation, notamment au niveau solvabilité, au niveau réputation, et détecter les risques le plus en amont possible, c'est au cœur de ce que nous faisons. Sauf que sans la fraude, forcément, cette action est mise à mal. Donc, la fraude reste au cœur de ce que nous devons proposer pour justement détecter les dossiers à risque le plus en amont possible. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient impacter à la fois l'ensemble des processus en fait de votre entreprise, à la fois le procure to pay, l'order to cash, de la même manière que la RSE est de plus en plus présente, que la conformité devient une obligation, la fraude, c'est un élément fondamental aujourd'hui. On le voit d'autant plus avec ce chiffre de 42 milliards, c'est 42 milliards de pertes qui ont été dues à la fraude au cours de ces deux dernières années, et c'est des pertes partagées par 5 000 entreprises seulement. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de 8 millions de dollars de pertes par entreprise en moyenne, uniquement sur 5 000 entreprises. Donc c'est colossal. C'est colossal, c'est un sujet qu'on doit absolument adresser. Et ce n'est pas pour rien s'il y a autant de projets de lutte contre la fraude qui se lancent donc cette année dans vos entreprises. Vous êtes à 47%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 36% des répondants qui ont indiqué avoir perdu plus d'1 million de dollars. Donc ça veut dire qu'il y a une répartition qui n'est pas homogène. Et on va le voir juste après. Avant, pour passer à la fraude au virement, d'abord, la question c'est de quoi parlons-nous? En fait, un IBAN, par définition, il est anonyme. Un compte bancaire est anonyme. Donc, tout l'enjeu, c'est l'enjeu de l'identité du tiers, s'assurer que ce tiers-là existe, et derrière, bien évidemment, qu'il est bien relié au bon compte bancaire.
Ça, c'est essentiel parce que on a parlé de la fraude de président, fraude de faux fournisseurs, fraude de faux clients, mais il y a de plus en plus d'innovation dans la manière de frauder. On se rend compte avec tout ce qui est deepfake, avec l'IA, les cyberattaques, que l'usurpation d'identité est de plus en plus facile. Et donc, c'est de plus en plus facile, effectivement, de se faire passer pour quelqu'un d'autre pour recevoir un virement sur le mauvais compte. Concrètement, de quoi est-ce qu'il va s'agir? Par exemple, un premier exemple assez classique, c'est du côté fournisseur. Il y a votre fournisseur qui se fait hacker. Quelqu'un va se faire passer pour le comptable de la société qui va vous renvoyer un email demandant un changement de RIB. Et là, la formulation va être parfaite. Ça vient du bon mail. La personne a étudié la manière dont les échanges se faisaient. Parfois avec justement des éléments personnels qui rentrent dans le mail pour faire croire que c'est la bonne personne. Et vous, de votre côté, vous pensez que c'est effectivement le comptable de la société. Vous allez faire le changement de RIB et les prochains virements se feront sur le mauvais compte. Un deuxième exemple, ça va être tout simplement la cyberattaque. Donc tout ce que je vous présente là sont des exemples réels que nous avons repérés lors d'échanges avec un certain nombre de nos clients. Cet exemple-là, c'est tout simplement une attaque informatique. Les hackers vont changer, vont paralyser l'outil de production, vont changer tous les RIB qui sont dans la base de données et ensuite vont abandonner l'attaque. Ce qui veut dire que l'entreprise va vouloir redémarrer son outil de production le plus vite possible. Tout va redémarrer, tout ce qu'il y a dans le ERP et associé va redémarrer et l'ensemble des virements aux fournisseurs vont partir, mais sur d'autres comptes. Autre exemple, par exemple pour le leasing du côté client, tout ce qui fonctionne par prélèvement va avoir le même fonctionnement. À partir du moment où il y a une automatisation pour du prélèvement et de l'achat en ligne, pour justement garder une expérience client la plus belle possible, réduire les délais de livraison le plus fortement possible. À ce moment-là, il est nécessaire d'automatiser parce que si vous n'automatisez pas la vérification, vous allez vous faire frauder également. Dernier exemple, là on est plus sur une question d'efficacité opérationnelle, pas forcément uniquement de fraude, lors d'un rachat d'une société, vous allez devoir fiabiliser une base de données, notamment les IBAN, pour éviter les fraudes. Et à ce moment-là, avec des équipes manuelles, ça va être très chronophage. Donc, il est nécessaire de pouvoir automatiser également dans un souci d'efficacité opérationnelle. Quelque chose qui peut se faire en temps réel. Donc, maintenant qu'on a vu de quoi on parlait, concrètement, qui est ciblé? Et qui est-ce que ça concerne? Ben, ça concerne quasiment tout le monde. En fait, la fraude au virement touche 50% des entreprises. Et dans ces entreprises, il y a 25% ensuite des tentatives qui aboutissent. Donc c'est colossal. C'est colossal, et ça, ce sont les chiffres uniquement 2022. Il y a une étude réalisée notamment par OpinionWay. Ces chiffres sont colossaux. Et comment est-ce que ça se répartit? Ça se répartit de la manière suivante, c'est-à-dire que il y a 31% en fait des entreprises qui ont subi plusieurs tentatives de fraude, 19 qui ont subi une tentative de fraude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on est touché, la plupart du temps, on est touché plusieurs fois. Et d'ailleurs, c'est ce que montrent vos résultats de sondage, puisque là vous êtes 30% à avoir subi plusieurs tentatives de fraude. Donc ça répond parfaitement. Vous êtes 60% en tout, 55 à 60% à avoir subi une tentative de fraude. Donc c'est encore plus important que ce que montrent les chiffres du marché. Après, ce n'est pas étonnant puisque c'est en constante évolution. Comment est-ce que ça se répartit par rapport à la taille d'entreprise? Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que 40 pour les entreprises de plus de 5 000 salariés,
Dans 40% des cas, ces entreprises reçoivent plusieurs tentatives de fraude. Donc, ça veut dire qu'il y a une surreprésentation du nombre de tentatives pour les entreprises de taille importante. Ce n'est pas étonnant, dans la mesure où plus les processus sont digitalisés et plus l'entreprise est grande, plus que les processus sont également complexes, font intervenir un certain nombre de personnes différentes et donc s'exposent à des risques de plus en plus importants. Ceci dit, même pour les entreprises de moins de 5000 salariés, on se rend compte que c'est très important puisqu'on a toujours 25% des entreprises qui subissent des tentatives de fraude. Donc, ça touche tout le monde et plus les processus que vous mettez en place dans votre entreprise sont digitalisés, complexes, plus vous vous exposez. Après, ce qui est intéressant, c'est que il y a 50% également des entreprises qui disent s'appuyer sur la banque pour récupérer les fonds en cas de tentative de fraude. Ça, faut savoir que ce n'est absolument pas la responsabilité de la banque de devoir vérifier les virements que vous lui demandez d'effectuer. La banque est simplement là pour réaliser les virements demandés et non pas pour vérifier. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Et d'ailleurs, même lorsqu'il y a une fraude qui est réalisée, contacter la banque pour l'informer est toujours important, surtout si vous réalisez l'erreur rapidement. Peut-être que vous pouvez arrêter le virement à temps. Par contre, une fois que le virement est parti, à ce moment-là, vous n'aurez jamais une réponse. Ils vont vous opposer le secret bancaire. Même dans le cas d'une fraude pour laquelle vous pourrez apporter des preuves, c'est secret bancaire. Et donc, ils ne pourront pas vous dire sur quel compte c'est allé et encore moins qui est derrière ce compte-là. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. C'est votre responsabilité de mettre en place les actions nécessaires pour justement lutter contre la fraude. La problématique, c'est également que pour récupérer les fonds, c'est extrêmement difficile. Évidemment, il faut porter plainte très rapidement. Pour autant, ce n'est pas pour ça que vous allez les récupérer. Et généralement, en dessous de 500 000 euros de pertes, les poursuites ne sont pas lancées, tout simplement parce que souvent, ce sont des affaires internationales que les équipes, notamment à Interpol et dans les différents pays, les autorités ne sont pas forcément tout le temps équipées, en tout cas n'ont pas le volume de personnes, de ressources nécessaires pour faire face à ce phénomène de fraude qui a complètement explosé. Donc ça, faut le garder en tête. C'est à vous de vous équiper, c'est à vous de faire en sorte de vous protéger. C'est votre responsabilité. Et quand on dit c'est votre responsabilité, c'est la responsabilité de qui exactement dans votre entreprise ? En moyenne, on a quasiment 3 entreprises qui sont impliquées dans les projets, mais on va retrouver le contrôle interne, la finance, la gestion des risques, la comptabilité, la trésorerie, la DSI, les achats. Donc en fait, ce n'est pas uniquement le rôle de la trésorerie. Historiquement, c'était le trésorier qui adressait ces sujets-là. Ça ne doit pas être le cas. Ça doit se faire tout au long du processus et l'ensemble des personnes qui interviennent dans le processus doivent t'aider à mettre en place les moyens nécessaires pour lutter. Ensuite, on en parlait un petit peu avant, la fraude, enfin la vérification des IBAN, ce n'est pas que la fraude. Il faut garder en tête que chez certains acteurs qui fonctionnent par prélèvement, les problèmes de mauvaises IBAN référencés dans la base de données peuvent expliquer plus de la moitié des motifs d'impayés, d'après l'expérience qu'on en a vue. Donc, la question, c'est que même lorsque vous êtes dans une situation parfaitement honnête, il faut garder une base fiable à jour pour éviter les impayés. Et la deuxième chose, c'est évidemment de garder de l'efficacité au sein de vos équipes. En moyenne, les études montrent qu'il faut 30 minutes pour vérifier un RIB de manière manuelle, avec tout le système de contre-appel. Le temps de pouvoir avoir la bonne personne, de poser les bonnes questions. Donc, il y a un enjeu d'efficacité opérationnelle aussi dans la vérification automatique des IBAN pour que ça se fasse en temps réel sans perdre de temps et puis également diminuer l'expérience client. Quand on parle d'efficacité opérationnelle, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui,
dans chaque organisation en moyenne, il y a plus de 4 TP qui sont dédiés uniquement à la vérification du RIB, uniquement à ces tâches-là. Et il y a 35% des entreprises qui réalisent des contrôles manuels. Vous, dans votre cas, vous avez été 63% à indiquer que vous appuyez sur des vérifications manuelles. On va le voir par la suite, il y a vraiment une asymétrie entre les moyens déployés et c'est là où porte votre risque. Maintenant qu'on a dit cela, quelles sont les bonnes pratiques pour se protéger des risques de fraude? Il y a des bonnes pratiques globales, déjà. C'est-à-dire que, sur le plan technique, effectivement, c'est avoir des mots de passe qui sont changés régulièrement, qui sont robustes. C'est les pare-feux, les antivirus. C'est le fait de mettre à jour très régulièrement les outils. C'est avoir un plan de continuité d'activité. C'est réaliser des stress tests. Toutes ces choses-là qui restent des éléments basiques à mettre en place. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut aussi évidemment agir sur le côté humain. Quand on parle du côté humain, c'est déjà sensibiliser les collaborateurs sur les moyens déployés par les fraudeurs pour ne pas se faire avoir. On a par exemple des fraudeurs qui sont capables d'intercepter les appels du côté de votre fournisseur et de votre côté. Et derrière, d'utiliser, de reproduire la voix de votre contact que vous avez l'habitude d'avoir au téléphone, de reproduire la manière dont vous échangez par email, de reproduire parfois même des signatures électroniques faites dans votre entreprise. Donc, c'est extrêmement compliqué de ne pas se faire avoir. C'est essentiel dans ce cas de sensibiliser absolument vos collaborateurs sur tous les moyens qui peuvent être déployés par les fraudeurs pour s'assurer de réaliser toutes les vérifications et de rester vigilant. Il faut derrière les former pour avoir les premiers réflexes, donc alerter la banque si jamais le virement n'est pas encore parti, porter plainte et puis surtout rester dans une transparence avec vos tiers, que ce soit client ou fournisseur. À chaque fois qu'il y a une fraude, ça arrive à tout le monde comme on l'a vu. Donc, il est essentiel de rester transparent, d'en parler, d'expliquer ce qui est arrivé pour que votre fournisseur, par exemple, mette aussi en place les moyens nécessaires, surtout quand, dans la mesure où souvent, c'est également votre fournisseur qui s'est fait frauder et que l'usurpation d'identité vient du comptable de votre fournisseur, par exemple. Donc, bien rester absolument dans la transparence, c'est vraiment une bonne pratique. Parce que tout le monde est touché et tout le monde est, et on l'a vu lors de différents événements réalisés jusqu'à aujourd'hui, que le partage est très apprécié, donc il ne faut vraiment pas avoir peur de rester transparent. Maintenant qu'on a dit ça, la base, c'est avant tout d'identifier les processus. Donc, faire une cartographie des risques. Identifier quels sont les processus aujourd'hui mis en place pour lutter contre la fraude, et à partir de là, vous allez voir les outils. Vous allez voir les personnes impactées à chaque moment du processus. C'est ça qui vous permettra derrière de mettre en place les bonnes actions. Après, je veux quand même parler d'un élément plus particulièrement. C'est dans les bonnes actions, les bonnes pratiques, c'est la double validation des paiements. Pourquoi? Parce que il ne faudrait pas... Alors déjà, pour des questions de sécurité, que la personne qui demande à réaliser le paiement ne soit pas la personne qui la réalise, mais également pour éviter la suspicion qui peut poser des problèmes dans vos équipes. Ça aussi, on a eu beaucoup d'échanges avec des clients à ce sujet-là. Parfois, il est très difficile de ne pas se faire avoir. On le voit avec le deepfake, par exemple. Hein. On peut même imiter une personne, pas que la voix, mais en vidéo, pour faire des demandes. Donc, c'est de plus en plus difficile. Donc, il ne faudrait pas que derrière, il y ait une suspicion sur la personne en charge de réaliser le virement parce qu'elle était à la fois la demandeuse et la personne qui va réaliser le virement. Il faut avoir deux personnes pour éviter cette suspicion et voilà que dans les équipes, ça se place du mieux possible. Et
bien évidemment, l'automatisation. Alors, on va le voir avec le contrôle systématique des RIB, mais l'automatisation est essentielle. Alors, pour un enjeu de performance opérationnelle, pour pouvoir tout simplement traiter les volumes, parce que si vous avez des volumes qui augmentent, forcément, si vous voulez pas vous retrouver surchargé et faire l'impasse sur un certain nombre de vérifications dans vos équipes, il faut automatiser ces vérifications-là. Et derrière, c'est avant tout la question de la fiabilité, parce que une vérification manuelle, on l'a vu, on peut quand même toujours se faire avoir par les moyens des fraudeurs qui sont de plus en plus sophistiqués, et il y a toujours un risque d'erreur sur l'humain. Donc, automatiser, ça permet de réduire, voire d'annuler, on va le voir, ce risque d'erreur, et donc de pouvoir être plus serein dans les opérations au quotidien. Donc, pourquoi on parle d'automatisation ? 35% des entreprises pratiquent encore les contrôles manuels de RIB. Dans notre panel aujourd'hui, il y a plus de 60% d'entre vous qui le font. Sauf que c'est cette asymétrie qu'il faut garder en tête. C'est sur cette asymétrie qu'il faut communiquer auprès des équipes. Quand vous avez, encore une fois, un fraudeur qui arrive à intercepter vos appels téléphoniques, à utiliser le deepfake pour faire pour reproduire la voix du comptable, pour reproduire les mails, les signatures, pourtant censées être passées par des outils certifiés. Il ne s'agit pas de signatures manuelles. Dans ces cas-là, il est essentiel de se rendre compte que le contrôle manuel ne suffit plus. Ça a pu suffire jusque-là, simplement l'innovation est de plus en plus impressionnante. Et l'innovation commence toujours du côté des fraudeurs. Ça commence par les hackers qui ne sont pas des hackers isolés, qui sont des hackers professionnalisés et qui sont organisés, certains pour l'usurpation d'identité, d'autres pour le vol de données. D'autres, voilà, il suffit de voir les cartographies qu'on peut voir sur Internet, sur tout ce qui est marché noir. C'est très intéressant de voir la segmentation des activités et des tâches. Donc, on parle ici de professionnels qui sont de véritables entreprises, donc le métier est de frauder, et ils ont plus de moyens que vous, des moyens beaucoup plus innovants. Donc, c'est important d'automatiser et de ne pas s'appuyer uniquement sur des vérifications manuelles. Quand on parle d'automatiser, de quoi parle-t-on exactement? Eh bien, c'est aller à la source. C'est s'assurer que l'IBAN correspond bien au compte de votre tiers, qu'il s'agit bien de la bonne entreprise, du bon tiers qui est associé à cet IBAN, et derrière que le compte est bien ouvert. Comment on va faire? En fait, on va s'appuyer directement sur la banque du tiers. Donc, on va regarder directement au sein du système d'information de la banque du tiers, si effectivement le compte appartient bien à la bonne personne, c'est-à-dire au bon sirène ou au bon sirette. Donc on s'appuie sur une certification bancaire, on ne s'appuie plus sur le fournisseur ou n'importe quel autre tiers qui lui-même peut se faire frauder. La deuxième chose, c'est que il est important de s'adapter à vos processus et d'avoir du coup la possibilité de réaliser cette vérification qui est donc la plus fiable possible puisqu'on va regarder vraiment au sein des comptes de la banque du tiers, mais de pouvoir faire cette vérification en s'adaptant à vos processus. Donc c'est-à-dire ça peut être par API ou à travers une plateforme, mais ça doit être quelque chose qui doit être fait pour respecter aussi voilà tout l'enjeu d'efficacité opérationnelle. Ce qui est intéressant, c'est que cette vérification, il ne faut pas que la faire à l'entrée en relation. Il y a 55% des fraudes qui sont réussies, qui sont réalisées après l'entrée en relation, lors des modifications. Donc, ça veut dire à la demande justement de changement de RIB. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel de garder en tête.
Ce n'est pas parce qu'on a vérifié une fois le RIB à l'entrée en relation qu'il n'y a pas de risque de fraude. C'est pour ça qu'il y a quatre grands moments auxquels il faut vérifier et être très très vigilant. La première chose, c'est la vérification de votre portefeuille. Comme n'importe quelle autre donnée, il faut qu'elle soit fiable, il faut qu'elle soit à jour. Donc, vérifiez ce portefeuille-là pour éviter les problèmes par la suite. La deuxième chose, ça va être à l'entrée en relation, au fil de l'eau. Donc, vous allez avoir un fournisseur qui va vous donner les informations dont son IBAN. Vous le vérifiez automatiquement. Vous allez vérifier automatiquement si effectivement le CIRET correspond bien à l'IBAN qu'il vous a fourni. La troisième chose, c'est lors du changement de RIB. Dans la vie du RIB, vous allez pouvoir être sujet à une usurpation d'identité. Quelqu'un qui, chez votre fournisseur, se fait passer pour votre fournisseur. Enfin, quelqu'un qui se fait passer pour votre fournisseur qui ne l'est pas. Donc, à chaque changement de RIB, il faut mettre en place cette action dans vos processus pour vous protéger. Et la dernière chose, c'est avant un paiement. Avant de réaliser un paiement, vous allez devoir, si vous voulez, au bout de la démarche, réaliser aussi une vérification, ne serait-ce que pour éviter les rejets bancaires, notamment en cas de compte fermé. Vous avez certaines entreprises qui sont réutilisées un jour à vocation de fraude, soit enfin, rachetées, par exemple. C'est un autre sujet, celui de repérer les coquilles vides que l'on adresse également. Et donc, il faut s'assurer que le compte reste ouvert. Si la dernière fois qu'il y a eu une vérification des RIB, ça a été il y a 6 mois parce que vous avez reçu une demande de changement de RIB à ce moment-là, c'est intéressant de faire la démarche avant un paiement. Et donc, de notre côté chez Sphere, nous renvoyons 3 réponses. C'est effectivement, est-ce que l'IBAN est bien relié au bon CIRET, au bon CIRET, et à ce moment-là, il n'y a pas de danger. Est-ce que, au contraire, l'IBAN et le CIRET qui est lié à cette, le CIRET ou le CIRET qui est lié à cette IBAN ne correspond pas. Et à ce moment-là, c'est qu'il y a un gros soupçon de fraude, et qu'il faut bien vérifier. Ou la troisième réponse possible que nous sommes en capacité d'apporter, c'est que le CIRET ou le CIRET correspond bien à IBAN, mais que le compte est fermé. Donc, ce sont les 3 grands enjeux que nous adressons et que la vérification des IBAN doit adresser. La détection de la fraude pour éviter les impacts financiers, les impacts réputationnels, le risque d'impayé parce que votre base de données n'est pas à jour, et l'efficacité opérationnelle de vos équipes. Maintenant, c'est le temps des questions. N'hésitez pas à les marquer. Et puis je vais regarder les questions que vous avez pu déjà poser. Je crois qu'il y a pas mal de questions là justement qui sont en train d'arriver. Alors. Bonjour, est-ce que le support sera communiqué à la fin de la réunion? Alors, vous pourrez recevoir le replay du webinaire dans un mail que vous allez recevoir. Alors, bonjour, un de nos sous-traitants s'est fait pirater sa boîte email. Nous lui avons adressé sa facture par mail et nous a répondu de le payer par virement et non par chèque. Nous avons fait le virement sur le compte de cet usurpateur. Quel recours avons-nous? La banque a fait un rappel de fonds, mais sans suite. Alors ça, c'est effectivement ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, une fois que les fonds sont partis, il peut toujours essayer de faire le rappel de fonds, mais une fois que le virement a été définitivement transmis, ils ne peuvent rien faire. Et donc, ce que vous avez à faire, c'est aller porter plainte. Et derrière, suivre la procédure. Il arrive que vous puissiez récupérer vos fonds, il arrive que ça aboutisse. Après, dans le cas de fraudeurs qui seraient très sophistiqués,
À ce moment-là, il y a peu de chances que vous puissiez récupérer. Mais dans tous les cas, voilà, c'est important de le signaler parce que c'est à force de recevoir ces signaux sur les mêmes types de manières de frauder que les autorités peuvent travailler. N'y a-t-il pas des assurances bancaires à la fraude? Alors, il existe des assurances. Après, ces assurances, si vous y avez recours, c'est que c'est que les solutions mises en place ne vous ont pas permis d'éviter la fraude. Donc, si vous restez sur des vérifications manuelles, ça peut toujours être intéressant d'avoir des assurances. Après, elles exigent, comme toute assurance, des contreparties, un certain nombre d'actions à mettre en place de votre côté pour voilà pour s'assurer d'être remboursé. Après, c'est pour ça que nous parlons d'automatisation, parce que à partir du moment où vous allez prendre l'information directement à la source, c'est-à-dire dans le système d'information de la banque du tiers, la fiabilité est totale. On est sur une certification bancaire et à partir de là, voilà, vous savez si effectivement le lien est entre le CIRN ou CIRET et puis IBAN est véridique ou non. Donc, nous recommandons avant tout de s'appuyer sur ce type de solution qui prévient la fraude plutôt que d'essayer de se faire rembourser derrière. Alors, il y a une autre question. Nos banques nous ont proposé des dispositifs de contrôle des IBAN sur la base de données SEPA Mail. La base SEPA Mail est restreinte puisque les banques alimentant cette base se limitent aux banques françaises et quelques banques européennes. Alors, il est juste qu'effectivement, le réseau SEPA Mail, en fait, est une messagerie interbancaire qui permet en fait aux banques de communiquer justement sur les IBAN, les CIRN et CIRET pour permettre ce rapprochement et d'aller voir effectivement directement au sein du système d'information de la banque si ce rapprochement est véridique. Alors effectivement, c'est au niveau France européen qui se construit de plus en plus. Ce qui est intéressant, c'est de la question à poser, c'est est-ce que quel est le pourcentage finalement de vos tiers qui est à l'international dans votre portefeuille? Lorsque vous avez 80% de votre portefeuille qui va être à l'international, effectivement, ça peut être une problématique. À ce moment-là, il y a certains acteurs qui peuvent vous aider. Si vous avez 60, 70, 80, 90% de votre portefeuille qui est en France, à ce moment-là, voilà, il y a des solutions comme celles que nous proposons qui apportent un rapport qualité-prix qui est absolument imbattable et qui permet de répondre à vos problématiques. Pour ces sujets-là, nous vous invitons en fait à contacter nos commerciaux, les commerciaux qui vont suivre. Vous allez aussi recevoir un mail qui va vous permettre de prendre contact. Et ça vous permettra de montrer de manière plus spécifique comment ça se passe dans notre outil, de vous faire une démonstration et de vous répondre à vos problématiques spécifiques. Le dispositif proposé par le Crédit Agricole Securiban et la Caisse d'épargne, donc c'est pas le Diamond, permet d'attribuer une note de fiabilité à un IBAN, mais ne donne en aucun cas la confirmation entre l'identité du bénéficiaire et l'IBAN. Comment l'offre Elisphère peut-elle nous assurer de la confirmation de cette correspondance? Alors, en fait, il y a deux choses différentes. Déjà, nous validons nous appuyons pas sur un score parce que justement, nous voulons nous assurer que le résultat soit clair. Le but, c'est d'enlever le doute chez vous pour que vous puissiez avancer dans vos processus. Donc, c'est pour ça que nous proposons trois types de réponses. Est-ce que effectivement la correspondance existe? Est-ce qu'elle existe mais le compte est fermé ou est-ce qu'elle n'existe pas? Nous ne proposons pas de score, de notes, mais un résultat concret. Ensuite, la solution que nous proposons, c'est une solution pour les entreprises, pas pour les particuliers. Il nous faut un CIRN, un CIRET. Donc, dans le cas
de particulier, il peut y avoir une note, parce qu'effectivement, ça, c'est un rapprochement estimé qui se fait par rapport au prénom et au nom de la personne. Nous, sur les entreprises, nous n'allons pas nous focaliser sur la raison sociale, mais bien l'IBAN, bien le sirène ou sirette pour avoir une certitude. Donc, sur quel outil vous appuyez-vous pour vérifier les IBAN? Voilà, on s'appuie sur ce réseau interbancaire, c'est pas le Mail Diamond. Quels sont les pays éligibles par ces contrôles? Donc, sur la solution Elisphère, nous sommes sur la France, qui couvre la plus grande partie du portefeuille la plupart du temps. Voilà, ça, c'est effectivement les moyens mis en place et la démonstration de la solution, et la question de la couverture pour répondre à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, ça permettra de vous montrer une démonstration. Quelles options, circuits, processus, technologies de validation des virements vous paraissent les plus sécurisées? Signature électronique, double signature, certificat, etc. Je n'ai pas d'avis particulier sur la question. Ce qui est intéressant, c'est de voir que même la signature électronique peut être l'objet de tentatives de fraude et de fraude aboutie. Donc, à partir du moment où il y a une technologie qui existe, il existera toujours des fraudeurs pour contourner cette technologie et puis réussir à faire frauder. Donc, de toute façon, il faut continuer de s'équiper, il faut être alerte sur les innovations qui existent, parce que les fraudeurs, eux, restent alertes sur ces innovations, innovent, sont les premiers à innover. Donc, je dirais que c'est plus le fait de rester alerte, de rester en veille sur les dernières innovations pour toujours sécuriser plus. Mais après, il n'existera jamais dans ces systèmes-là de signature, de double signature ou signature électronique, donc au sein des entreprises, de fiabilité totale, à mon sens. Je vais prendre une dernière question. Peut-être dans l'onglet questions, du coup, Géraud, également, on a eu pas mal de questions qui nous ont été posées via cet onglet. Alors, est-ce que votre solution proposée permet de garantir à 100% la fraude? Alors, comme nous appuyons directement sur la banque du tiers, nous sommes en capacité à 100% d'indiquer qu'effectivement, l'IBAN ou le SIRET que vous adressez correspond, enfin que l'IBAN que vous allez adresser correspond bien au SIREN ou au SIRET. Ça, c'est l'information de base que le fraudeur va avoir, parce que sinon il ne peut lui-même pas récupérer les fonds. Donc ça, on va directement interroger le système d'information de la banque, et donc c'est quelque chose où nous sommes parfaitement certains, qui est totalement fiable. Et je vais en prendre une dernière. Quand ça ne matche pas, comment faites-vous? Avez-vous de votre côté un service de contre-appel? Alors non, nous n'avons pas de service de contre-appel. Nous donnons l'information effectivement du résultat, savoir s'il y a eu, si le matching est fait ou non entre Sirène et l'IBAN. Mais derrière, ça vous permet, vous, de pouvoir appeler la société et puis demander s'il y a eu une erreur. Si par contre, on vous redonne une deuxième fois le l'IBAN et que vous revérifiez que ce n'est toujours pas bon, à ce moment-là, vous savez que c'est une fraude. Mais de notre côté, nous ne proposons pas de service de contre-appel.
Et nous sommes aujourd'hui, donc uniquement, pour répondre à une toute dernière question, dans le cadre des organisations qui possèdent voilà, un CIREN ou un CIRET. Donc pas sur les personnes physiques, voilà, donc ça peut être dans le cadre des associations, par exemple, qui possèdent un CIREN ou un CIRET, l'ensemble des entreprises. Merci beaucoup pour vos questions. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à c'est un sujet qui est voilà qui nécessite de discuter à plusieurs. N'hésitez pas à en discuter également avec vos fournisseurs, avec vos clients. C'est toujours apprécié et vous allez voilà recevoir le replay du webinaire, avoir la possibilité de nous contacter donc soit par le commercial si vous êtes déjà en contact avec nous. Soit tout simplement vous allez recevoir un mail qui va vous permettre de prendre contact avec nous pour d'autres questions, pour une démonstration si vous le souhaitez. Merci beaucoup pour votre temps et puis passez une excellente journée. Merci, à très bientôt, très bonne journée à tous. Au revoir.